Allez, ouf. Un, deux, trois. Ça fait mal, mais ça fonctionne. 2262 vidéos. C'est un petit peu abusé, ok. Système D. Je vais pas toute ma skincare dans le réfrigérateur. Vous savez à quel point c'est ma phobie. Et franchement, je suis dégoûtée. Je vais le c'est cher maintenant. Faut pas négliger les Jeux Paralympiques. C'est si long à faire. Quand même, vous allez pas vous laisser dans le réfrigérateur. Ça, c'est plus bon ça. Hein. J'espère que vous allez bien les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire cette vidéo pour couper un petit peu de ce que je propose actuellement sur YouTube parce que je suis sur les vlogs du Japon, j'ai tellement filmé. Je suis sur la dernière partie du vlog à Tokyo, donc qui va sortir très bientôt d'ailleurs. Donc on va faire une petite vidéo préparation de la rentrée. Ça fait très longtemps que je suis plus dans le cursus scolaire. J'ai arrêté il y a combien de temps? Depuis 2022? Non? 2021? Oh my god, ça fait hyper longtemps. Tu vois l'état de mes pieds, c'est catastrophique. On va s'occuper de ça. Il y aura du rangement, du tri, il y aura plein de choses dans cette vidéo. J'avoue, il y a des trucs que j'utilise pas, il y a des couleurs que j'ai jamais utilisées. Hein, parce que je sais qu'on l'achète quand on est vernis, c'est qu'on ne va pas les utiliser, je suis honte. Vous savez les trucs qu'on met entre les orteils là, faudrait que j'achète ça parce que j'ai pas en fait. Et j'avoue que ça me faciliterait la tâche d'avoir ça. Mais avant tout, on va quand même se préparer une petite boisson. Donc on va faire du thé glacé. J'espère qu'il y a des glaçons. On va voir ça tout de suite. À la vôtre. Trop bon. Pour ne pas salir, je mets toujours une petite serviette comme ça. Je vais finalement regarder les Jeux Paralympiques. J'ai regardé l'ouverture hier, c'était hier soir. C'était vraiment bien. C'est vraiment sympa. N'oubliez pas les gars, il ne faut pas négliger les Jeux Paralympiques. Ce sont des personnes qui sont en situation de handicap. Franchement, cette année, j'ai grave suivi les Jeux Olympiques. C'est aussi important que les Jeux Olympiques. Donc, je vous invite aussi à regarder ça parce qu'il ne faut pas les oublier, il ne faut pas les mettre de côté. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est un petit bain de pieds. Donc, je prends du gros sel comme ça. Et, franchement, je mets au pif. Hein. J'ai pas d'eau comme si t'es vraiment. À la lettre, donc je mets un peu de sel. Voilà. Je dis un peu, mais j'en ai beaucoup, mais ça va. C'est du gros sel. J'en rajoute de l'eau. Ensuite, je vais mettre de l'huile d'olive. Et là, par contre, je vais doser parce que hein, vous savez à quel point l'huile d'olive c'est cher maintenant. Donc, on va mettre à l'œil. Hein. Donc, je mets une cuillère à café d'huile d'olive. Un petit morceau comme ça, ça suffit. Donc, on laisse poser. Et ensuite, ça sera bon. Bon, alors hier, j'ai terminé de faire mes ongles de pied. Maintenant, je vais m'attaquer au linge. Vous savez à quel point c'est ma phobie. Genre, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'aime pas du tout faire ça, mais en tant qu'adulte maintenant, et je vais récupérer les linges qui sont sur le séchoir, qui sont là depuis un petit moment, quand même déjà. Donc, let's go!
gars, aujourd'hui, on va nettoyer le réfrigérateur parce que demain, on va faire les courses. Et j'aime bien nettoyer le frigo avant de faire les courses quand même pour que ça soit plus propre, plus net. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, maintenant. J'aime bien commencer par les bacs qui sont tout en bas. Le premier bac, en général, je mets ma skincare, enfin une partie de ma skincare. Donc, je mets pas toute ma skincare dans le réfrigérateur, mais je mets uniquement les masques comme ça. Parce que je trouve que c'est hyper rafraîchissant après, tu le mets sur ton visage, c'est trop relaxant. Ce sont des masques que j'ai achetés au Japon. Et franchement, je suis dégoûtée, j'aurais dû acheter beaucoup plus de masques comme ça parce que c'est trop bien. Et ça, ce sont des patchs que j'ai achetés sur YesStyle. Mais en fait, ils sont bien, mais en fait, ça glisse de ouf. Donc, je pense que je ne rachèterai pas cette marque-là. Je testerai une autre marque jusqu'à ce que je trouve une marque qui me correspond. Donc si vous connaissez des patchs qui ne glissent pas, les gars, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que bref. Donc on va commencer par ça. Donc, par contre, ce que j'aime bien avec cet égouttoir, c'est que il se plie en fait. Donc ça, c'est parfait. Ça me fait gagner grave de la place. Donc, ça, c'est cool. Donc on va commencer par laver les bacs. Comme ça. Ça c'est plus bon ça. Hein. Ouais, il y en a des pattes qu'il faut qu'on termine. Ça, c'est du jus de céleri. Ça, c'est très bon pour la santé. Et en plus, mon petit jardin, j'aime... Enfin, un jardin, c'est pas... Hein, c'est pas non plus jardin. Mais j'ai un petit coin... J'ai un petit point. Je sais pas si... que je sors d'une sieste. J'ai un petit coin potager que mon papounet m'a gentiment créé. Enfin, j'avais déjà les bacs, mais en fait, c'est lui qui a rajouté les plantes, etc. Et je suis trop contente parce que maintenant, on a de la laitue, on a du céleri. Donc, le jus que vous voyez là, c'est le céleri qu'on a pris du potager. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop happy. J'ai trop hâte de planter de nouvelles choses, en fait. Trop bien. Ça, c'est du fromage, mais... J'aime pas ce type de fromage. Mais on va quand même garder parce que sait-on jamais. Par contre, sauce tomate, j'en achète énormément. J'aimerais bien en faire moi-même. Mais j'avoue, la patience là, je sais pas si j'ai ça. Franchement, je sais pas. Donc je vais laver les bacs comme ça. Confiture d'abricot. Confiture passion. C'est tellement bon. Oh my god, c'est trop bon. Ça, c'est une confiture butternut, mais j'avoue, j'aime pas du tout. C'est mon copain qui mange cette confiture, mais moi, j'aime pas. Ma mère m'a ramené ça quand elle est venue à la maison. Elle m'a ramené ça et c'est tellement pratique, les gars. Ça change ma vie. En fait, vous tirez le film plastique. Attendez, je sais pas comment vous faire la petite démonstration. Hop, vous tirez ça comme ça. Ensuite, vous enroulez système D. Vous enroulez ça comme ça. Et ensuite, avec le petit truc bleu là, vous le glissez comme ça. Hop. Et ça découpe. C'est trop bien. Franchement, je l'ai vu à Action, je crois. Franchement, c'est trop bien. Et il y a la même chose pour le papier alu. Bon, papier alu, j'avoue, je n'utilise pas trop. C'est exceptionnel. Mais c'est hyper pratique parce que. Les autres trucs là de plastique, c'est trop chiant. Enfin bref. Là, c'est pratique. Voilà, c'est tout propre. Comme ça. Demain, eh bien.
je pourrais ranger les courses dans un frigo bien rangé, bien propre. Et en bas, ben, en vrai, en bas, il n'y a pas grand chose. Il n'y a rien de spécialement sale à nettoyer. Il n'y a rien de sale, en fait, au congélateur. Donc, ça, c'est parfait. Donc, c'est terminé. C'était plutôt rapide. Donc, du coup, on se retrouve demain. Quand même, vous n'allez pas vous laisser dans le réfrigérateur. On se retrouve demain. Bon, alors les gars, aujourd'hui, on va faire un truc que j'ai la flemme de faire chaque jour. Mais écoutez, c'est nécessaire, il faut faire ça. C'est le tri des photos et vidéos dans mon appareil, dans mon portable. Parce que là, je suis à 11 733 photos et vidéos. C'est juste énorme. Je sais vraiment pas à quel moment je suis arrivée là. Je pourrais pas vous dire 11 000. Mais genre, c'est énorme. À quel moment? Après, je sais que quand je suis partie en Guadeloupe en 2022, j'ai pris énormément de photos et vidéos. Et j'ai du mal à m'en séparer. J'ai du mal à supprimer, en fait. Pareil pour le Japon. J'ai pris énormément de photos et de vidéos. Mais je sais pas, j'arrive pas. Alors peut-être que je devrais mettre tout ça sur un disque dur et faire de la place sur mon portable. Je pense que je devrais faire ça parce qu'en réalité, c'est un petit peu abusé, ok? Là, comme c'est la rentrée, c'est presque comme la nouvelle année, donc on repart sur de bonnes bases, etc. etc. Alors, là, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais trier, ok? Parce que je sais qu'il y a des doublons. Je fais beaucoup de captures d'écran, il y a beaucoup de trucs en... Des trucs que j'ai en deux fois, trois fois, quatre fois. Je vois beaucoup de doublons, ouais. J'ai 25 doublons. Bon, 25, c'est quand même beaucoup, mais voilà. 486 selfies, 2262 vidéos, 171 captures d'écran, 2 rafales, 24 imports, 25 doublons. Enfin bref, on va faire un tri. Donc écoutez, je vais me mettre en mode de tri. Je vais essayer de mettre de la musique sur la télé parce que c'est chiant. En vrai, c'est chiant. J'avais fait ça, je crois, il y a quelques mois, mais ça m'avait vite saoulé. J'avais pas supprimé énormément de trucs. Accéder à Spotify. Je vais aller sur Spotify parce que la flemme avec les pubs YouTube là. Je vais mettre une playlist assez chill. C'est si long à faire. J'ai supprimé 465 photos et 25 vidéos. Du coup, je suis à 11244. En fait, j'ai trop de photos. J'ai supprimé que les doublons et que les photos que j'aimais plus trop. Mais j'arrive pas, en fait, les gars. J'arrive pas. Franchement, c'est chaud. Mais en fait, ce qui prend de la place, je crois, c'est les photos de voyage. En fait, j'en ai trop. Et ces photos-là, j'ai pas envie de les effacer. Donc, ouais, je les mettrai sur un disque dur parce que ça prend trop de place. Ça prend réellement trop de place. Voilà, en tout cas, j'ai supprimé les petites choses. On va faire la skincare. Je vais m'occuper de mon visage ce soir. Donc, on va se retrouver plus tard. Là, je vais faire mon repas. Et donner à manger au chat. Et puis voilà. On se retrouve ce soir. Bon, les gars, nous sommes le lendemain. Et nous sommes là pour la dernière partie de cette vidéo qui est donc. La skincare. J'aime beaucoup la skincare. Franchement, je me suis découverte une passion cette année qui est donc la skincare, l'amour des produits, etc. Quand je vois l'effet que ça a sur mon visage, franchement, ça me fait plaisir. Ça me fait réellement plaisir. Donc je vais. Laver mon visage comme d'hab avec mon gel CeraVe. Franchement, je l'utilise depuis très longtemps. Franchement, si vous suivez mes vidéos, vous savez que je l'utilise depuis hyper longtemps. Je vous parle de ça depuis très très longtemps dans mes vidéos. Ah, normalement j'ai des petits pompons là
que je mets dans mes poignets. Mais c'est sur le séchoir et je vais pas sortir mon serviette sur la terrasse. Voilà, je vais pas faire de derma planning parce que je pense que je l'ai fait il y a pas si longtemps que ça. En fait, le derma planning, je le fais pas tous les mois, je le fais peut-être tous les 2 ou 3 mois. Faut pas non plus fragiliser la peau. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais m'épiler au niveau du menton là, parce que des fois j'ai des petits poils qui poussent. Et j'avoue, ça me complexe un petit peu. J'aime pas du tout. Donc je vais utiliser ça, là, de la marque Silis. C'est une marque que vous pouvez trouver en grande surface. C'est de la cire au parfum rouge, il y en a 32. C'est de la cire froide. Bon, j'avoue, je suis pas très cire, hein, moi. Mais bon, c'est le moyen le plus efficace que j'ai trouvé pour retirer mes petits poils. Après, des fois, je fais à la pince à épiler. Hop, on épile comme ça. Et on va venir tirer. Allez. Même si c'est de la cire froide, ça fait mal. Hein. Franchement, c'est pour ça que je ne m'épile pas les aisselles avec la cire parce que je souffre trop. Ça fait trop mal. Elle va souffrir comme ça. Allez. Ouh. Un. 2, 3. Ah putain, ça fait trop mal. Mais ça fonctionne. Ça fait mal, mais ça fonctionne. Voilà. Une fois que j'ai terminé, maintenant je vais prendre la petite lingette qui est à l'intérieur. C'est une petite lingette comme ça. C'est une lingette post-épilation à l'extrait d'huile d'amande douce. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Ensuite, maintenant, je vais mettre mon toner que j'ai acheté au Japon. Donc, je l'applique comme ça sur mon visage. Avant, j'utilisais des cotons. Mais plus maintenant. Je vais utiliser ce masque-là que j'ai aussi acheté au Japon. Je pense que je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo. Donc je fais le pic comme ceci. Oh my god, c'est trop. Ah, c'est tellement relaxant. Parce que c'était au frigo. Et qu'est-ce que c'est. Oh. Oh my god. Non, franchement, je n'abuse pas. Les gars, je n'abuse vraiment pas. C'est trop relaxant. Parce que c'est frais. Donc voilà, je l'applique correctement et on laisse poser 15 minutes. Je ne ressens pas à grand chose comme ça. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Donc en attendant, je vais me coiffer. Je vais faire des tresses plaquées en fait pour avoir ce résultat là qui est assez sympa quand même, je trouve. Donc ça fait au moins 2 ou 3 jours que j'ai pas démêlé mes cheveux. Hop. Ah, ça fait du bien. Je vais continuer à faire pénétrer le produit. C'est une crème aussi que j'ai acheté sur iStyle. C'est une crème à base de bave d'escargot. Donc c'est la texture est assez particulière. Mais franchement, j'aime beaucoup. Ça m'hydrate la peau de ouf. Donc là, j'en ai plus beaucoup. J'essaye de rationner un peu parce que j'ai pas fait comme il y a pas très longtemps. Et iStyle, ils prennent énormément de temps pour livrer. Donc j'ai pas envie de me retrouver sans produit. Et voilà pour ma petite skincare. Bon, et bien les gars, c'est la fin de la vidéo. Ça m'a fait énormément plaisir de vous filmer ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Ça me ferait très plaisir de voir vos retours. Je vous souhaite une très bonne rentrée scolaire pour celles qui reprennent le cursus scolaire. Bonne rentrée professionnelle pour celles qui reprennent le travail. Restez concentrés, restez motivés et puis ouais, ça va le faire en fait, ça va le faire. Ne vous inquiétez pas, si vous mettez toutes les chances de votre côté, ça devrait le faire. Et nous, on se retrouve mercredi exceptionnellement parce que je poste jamais le mercredi. Enfin si, avant je postais, mais maintenant c'est le lundi. Mais bref.
On se retrouve mercredi pour la dernière partie du vlog à Tokyo. Et puis comme ça, on enchaînera avec Kyoto. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur mon Instagram. Et puis oui, à mercredi. Bisous.